Écoutez, on a eu un entretien cordial. On a fait un peu le tour de la situation, avec en particulier, on a insisté sur ce grand débat donc national, puisque le groupe RDSE, dans sa diversité, est favorable à ce grand débat. Et puis, on a également évoqué le problème du référendum. Et nous, le groupe RDSE, dans la tradition de Gaston Bonnerville, n'est pas favorable à ces référendums nationaux. Donc, j'ai dit au président, nous sommes favorables à des référendums locaux, communaux, départementaux, régionaux, mais pas à des référendums nationaux. Bon, je lui ai dit, et puis également, on a évoqué la concordance éventuelle entre les élections européennes et puis le référendum. Là aussi, nous ne sommes pas très favorables. Voilà. Et on a également parlé un peu des élections européennes, bien sûr, et de l'Europe, puisque c'est quand même un sujet extrêmement important. Voilà. Tout ça, mais il est venu dans le Lot, on le connaît, on a passé quelques minutes, disons, de conversation franche.